Charles Leclerc revient sur sa course à Imola. Alors, bon, podium, pas mal pour le pilote monégasque. Donc, toutes les actus Leclerc, hein, ça sera ici aussi maintenant. En plus de Piastri et Lewis Hamilton. Et on parlera aussi toujours de Mercedes. Donc, les fans de Mercedes, pas la peine de vous désabonner du coup. C'est toujours très spécial de monter sur le podium ici à Imola. Cependant, il est évident que je ne suis jamais satisfait de la troisième place. Vous voulez toujours être sur la plus haute marche du podium, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, je pense que nous avons surtout perdu ce qui a pu être hier en qualification. Nous allons réanalyser ça. Mais aujourd'hui, dans la course, comme Lando l'a dit, je pense que nous étions tous très proches. Il s'agissait de savoir qui poussait quand dans la course. Ensuite, le podium était très spécial, c'est toujours le cas lorsqu'on est en Italie. Il évoque Brian Buzzi, donc qui remplace son ancien ingénieur. Il s'est très bien débrouillé, c'est toujours très délicat à chaque fois quand vous changez, surtout en milieu de saison, comme c'est le cas ici. Il y avait beaucoup de nouvelles choses avec lesquelles il devait se mettre au diapason. J'avais aussi Johans, qui était mon ingénieur de performance sur la piste. J'avais deux personnes nouvelles dans leur rôle. C'était assez difficile au début, mais en fait, ils ont fait un travail incroyable. C'est très bien passé. Maintenant, nous allons travailler là-dessus et essayer de nous améliorer. Mais c'est un très bon début. Bon, il est plutôt satisfait des deux personnes nouvelles dans son équipe. Tant mieux pour lui. Voilà pour Charles Leclerc. Qu'avez-vous pensé de son Grand Prix? Moi, je trouve qu'il a bien devancé Sainz. Il a fait taire un peu les haters. Donc, pas mal, Charles.